Mister Futur Trésorier, donc aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo qui va parler bien sûr de MW3. Donc pourquoi MW3? Oui, je sais que c'est un vieux jeu ancien, mais je vais vous en parler pourquoi, parce que oui, je vais vous faire franchement rigoler. Pourquoi? Parce que ça va vous faire rigoler ce que je vais vous dire, et oui. Donc alors déjà le truc c'est que déjà MW3 me fait rager énormément en multijoueur. Pourquoi? Je vais vous expliquer dès maintenant. Donc voilà, donc on se retrouve pour le top 10 les 10 top les 10 top ce que le plus ce qui me font rager. Donc alors déjà en 10e position, on se retrouve déjà pour la 10e position. Donc la 10e position qui va parler bien sûr du Predator. Alors je vais vous en parler un peu plus du Predator, parce que franchement moi ça m'a fait énormément rager le Predator. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors franchement les gens, vous êtes d'accord avec moi que j'ai tout le temps, je me prends tout le temps des Predators dans la tête. J'ai l'impression que il y a une tête chercheuse qui me cherche. Il doit chercher Mister Futur Trésorier. Il doit chercher, voilà. J'aime pas du tout le Predator. À chaque fois, je tombe sur des parties et je me dis, alors pourquoi le Predator? C'est tout le temps pour moi. Je parie ce Predator est tout le temps pour moi. Ben oui, bien sûr. Oui. Alors la fois j'étais avec un ami, si vous le savez pas, mais j'ai pas fait de vidéo sur MW3, mais franchement. Si vous l'aurez regardé, vous aurez pété de rire. Pourquoi? Parce que déjà, le Predator, j'ai fait vraiment énormément. Je suis pris énormément de Predator. Et surtout, quand j'avais dit, j'insiste sur ce monsieur Predator, il est pour moi. Boum. Alors, franchement, quelle est l'utilité? Pourquoi? Pourquoi l'utilité est tout le temps sur moi? Ça, faudrait m'expliquer. Hein, parce que ça, je comprends pas. Donc voilà, je vous ai en parlé du Monsieur Predator. Le truc qui me fait plus raver du top 10. Voilà. Après, on se retrouve pour la 9e position, le plus qui me fait rager, c'est les grenades flash. Je vais vous expliquer pourquoi les grenades flash. Pourquoi? Les grenades flash, pourquoi? Parce que déjà, de une, je ne comprends pas. Quand tu lances une flash, les gens... Les autres, quand tu leur envoies, ils sont pas flashés. Voilà, ils ont, voilà, un petit, voilà, ils voient tout. Ils sont un petit peu flashés, mais ils voient tout. Tandis que quand toi t'es flashé, eh ben, tu vois tout blanc. Tout blanc. Alors, le truc, il est là. Donc voilà, le truc qui me fait rager, avec les grenades, c'est ça le problème. Donc voilà. Donc je vous en parle un peu plus du flash, parce que, ouais, il y a énormément de choses. Et bon, voilà, la 9e position, c'est celle-là. La 8e position qui me fait rager le plus sur MW3, c'est bien sûr, je vais vous dire, mais franchement, j'aurais dû mettre la vidéo, mais je ne l'ai pas pris en vidéo. C'est le coup de couteau, je te cut, je m'en fous, je vais te cutter, mais j'en ai un foutu, c'est pas toi qui m'as cuté, c'est moi qui te cut. Alors oui, les gens, franchement, c'est vraiment space. J'étais dans une partie et vraiment, vraiment, vous allez vraiment rigoler, c'est que il y a eu un fail. Alors, c'est que, vous allez me dire vraiment, Mister, bon là, c'est un petit peu peut-être la connexion qui bug. Non, c'est pas la connexion. Je courais et là, je cut un mec. Non, c'est, je cut le mec, mais c'est pas lui qui meurt, mais c'est moi qui me cut en avance. Ça, faudra m'expliquer, parce que je vois pas pourquoi. C'est moi qui vais cuter, pourquoi pas lui, il meurt pas, et moi je meurs. Voilà, il y a vraiment un gros souci. Donc ne me dites pas que c'est la connexion, je ne pense pas que c'est la connexion. Mais bon, voilà. Après, alors les 10 choses qui me font rager, au plus haut point, en numéro 7, vous êtes totalement d'accord. La connexion. Pourquoi la connexion? Vraiment, pourquoi la connexion? Je vais vous expliquer pourquoi la connexion. Déjà, la dernière fois, je suis tombé sur une partie.
J'étais j'avais la moine. J'avais la moine. Et là, on voit tout le monde se déconnecter. Enfin, se déconnecter. Quitter la partie à expiration du dé. Alors là, on va me dire, oui, Mister, non, ils ont pas eu une erreur de connexion ou rien. C'est juste qu'ils ont rage quitté. Non, non. Je ne pense pas que la communauté va être comme ça pour rage quitter quand même. Faut pas abuser quand même. Faut pas abuser. Donc, voilà. J'en parle de la connexion parce que. Voilà. Mais vraiment, vraiment, les gens. Est-ce que vous ferez ça si mon. Si une personne fait du 25-0 ou du 30-0, franchement. Franchement, faut pas dire qu'ils ont été déconnectés. Non, non, ils ont ils sont pas été déconnectés. C'est juste peut-être qu'ils ont rage quitté. Moi, c'est la seule solution. Hein, quand t'as des gens comme ça, c'est qu'ils ont rage quitté. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Après, on se retrouve pour la position numéro 6 du top qui me fait enrager sur un niveau 3. Alors là, vous êtes totalement d'accord. Le pompe. Le space 12. Pourquoi je comprends pas. Le space 12. Pourquoi monter niveau 28 pour avoir une capacité de dégâts? Alors là, monsieur les développeurs, faudra me dire pourquoi. Pourquoi? Parce que je vais vous dire un truc. Le pompe, quand vous tirez avec le space 12, ça fait. Ça fait de l'air. C'est quand on tire, ça fait de l'air. C'est comme voilà, ça fait de l'air. En gros, voilà. Pourquoi monter niveau 28 juste pour que ça fasse des dégâts en plus? Alors ça, même sur les développeurs, il faudra que voilà. Voilà. Donc, faudra me le dire et m'expliquer un peu plus de ça, chez les développeurs. Voilà, donc vous avez dû entendre, c'est mon téléphone sans faire exprès, ce n'est pas grave. Et, voilà, j'ai reçu un message. Bref. Allez, on se retrouve pour le numéro 5. Pour le numéro 5 du top. Voilà, du top. Qui me font rager le plus sur le 3. En numéro 5. Vraiment, vous êtes d'accord avec moi? Vraiment, là, les tourelles. Pourquoi les tourelles? Pourquoi les tourelles? Il y a deux killstreaks, franchement. Mais le plus, je vais vous expliquer un peu plus. Pourquoi la tourelle? Alors, c'est vraiment, ça c'est un truc qui me fait rager. C'est quand tu as une tourelle en face, quand personne veut la détruire. Alors là, hein, je peux te dire que, voilà, je ne comprends pas. La dernière fois, j'ai envoyé une flash, une syntaxe, j'ai tiré dessus. Alors là, vous allez me dire, oui, Mister, peut-être qu'elle était invincible ou peut-être que c'était un modeur. Non, 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 non. C'est pas un modeur ni rien. Vraiment, là, j'étais choquée quand je voyais que la toile ne meurait pas. Je dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème là. Donc voilà. Après, le deuxième truc en killstreak, je ne sais rien qu'est-ce qu'il fout dans les killstreaks de soutien, c'est le gros bombardement furtif. Pourquoi? Ce gros bombardement furtif, ils l'ont mis dans les soutiens. Alors qu'il sert à faire des frags en tant qu'assaut, alors que quand je vous dis ça fait mal. Il y a même des gens qui avec ça ils font des trips, des quadrips, mais franchement, 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 moi je n'utilise pas trop ça, mais moi en tant que Mister Future Très Soldier, je veux dire clairement, je ne sais pas à quoi il sert dans les killstreaks de soutien. Sérieusement. Voilà. Donc voilà. Il y a des gens qui font des trips, des quadrips, comme je vous l'ai dit. Et ça me fait énormément rager. Rager. Pourquoi? Parce que si on était en série nuque, tu peux dire, alors là, tu peux te dire au revoir. Hein, c'est terminé. Ouais, voilà. Donc on se retrouve pour le top 4. Des choses en position numéro 4 qui me semblent le plus rageux sur un du 3. Là, vous allez totalement être d'accord. Les spawns aléatoires. Enfin, pas aléatoires, pas comme sur Ghost.
Mais franchement, je comprends rien, je comprends rien. La dernière fois, j'ai eu un span, c'était sur Dom. Alors là, quand vous allez me dire, oui, Mister, mais c'est normal, il y a les spawns. C'est un peu normal que ça spawn là. Non, non. La dernière fois, il y a un mec qui a apparu, qui a spawné devant moi. Dans le temps qui équipe, mais en étant en par équipe, il a spawné devant moi. L'ennemi a spawné devant moi, oui. Je ne comprends plus rien. Là, faudra m'expliquer parce que là, je déteste quand on spawn devant moi et quand on respawn. Voilà. Donc, ça, il faudra m'expliquer, les gens. Voilà. Donc, la troisième chose en position numéro 3 sur lui, je vois qu'il me font plus rager. Alors là, vous allez me dire qu'il y a vraiment un souci. Le couteau de lancer. Alors, oui. Vous allez être impressionné, vous allez dire Mister, mais t'en es sûr, est-ce que tu me dis c'est vrai? Oui, je vous jure que c'est vrai. J'aurai une séquence de vidéo, je vous l'aurai montré. J'ai lancé le couteau de lancer sur une personne dans la tête. En ligne. Et qu'est-ce que ça a fait? Il n'est pas mort. Il a toujours le couteau sur la tête. Alors ça, c'est un truc qui me fait énormément rager. Rager. Franchement, voilà. Donc, voilà. C'est ça qui m'énerve. Voilà. Donc, on se retrouve pour la deuxième position, le top qui me fait envie le plus sur MW3. C'est bien sûr les Akimbo. Alors, il y a les gens qui utilisent le FNG Akimbo. Non seulement des gros prestiges, voire ça, des gros prestiges utiliser ces armes, franchement, non merci. Non seulement, franchement, j'ai eu des parties comme ça avec des Akimbo et franchement, ça m'a fait énormément rager. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Là, ça me fait rager de plus ou pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la dernière fois, j'ai eu un mec sur Dom qui resta couché par terre. Et en plus, il était avec son gros putain de prestige. Par terre. Et il attendait. Il attendait les gens à Kibo. Ça, monsieur le développeur, faudra m'expliquer. Faudra m'expliquer. Pourquoi mettre des FNG à Kibo? Et pourquoi jouer en tant que prestige, gros prestige, avec des FNGF à Kibo? Je sais, ce truc est cheaté. Mais non. Voilà. Les gens continuent avec leur prestige. Voilà. Voilà. Les 10 tops qui vont arriver. Et le tout dernier, je l'ai gardé pour moi. Pourquoi? Le tout dernier, vous allez m'expliquer pourquoi il y a toi qui me fais rager. Bien sûr, ce qui me fait rager, vous allez être totalement d'accord. Le truc qui me fait rager le plus, le tout premier numéro 1, c'est quand tu quittes une partie et que tu reviens sur la même partie, ça. Franchement, ça me dégoûte. Il doit avoir un ordinateur qui doit me dire alors oui, il a quitté la partie, faut le remettre dans la partie, on va le faire chier un peu. Tu vois, c'est genre on contrôle un peu, on va dire, lui il a quitté la partie, on va le faire chier, on va le faire chier, on va le faire revenir dans la même partie. Mais non. Pourquoi revenir dans la même partie? Non, non merci. Non, non. Je suis pas d'accord là. Franchement, faudra me le dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez quand vous revenez dans une map. Mais là, je suis pas d'accord. Donc voilà. Alors, on a terminé pour le top 10 sur un jeu spécial rage. J'espère que vous mettrez des commentaires, je vous répondrai à vos questions si sur une des vidéos, bien sûr, que qu'est-ce qui vous a plu et pas, et vous me répondez des questions. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ouvrage sur Black Ops 2 et Ghost. Et voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je vous dis salut, bye bye, c'était Mister Future Tressaudier, à la prochaine, bye bye.